regarder ma sale gueule, putain. Je vais au Combien Store, habillée comme Jaja, comme vous avez pu le voir, pyjama et tout. Je vais me prendre une bouteille d'eau. Mais si, c'est normal hein, de sortir en pyjama. C'est pas genre la honte comme. Comme en France, c'est normal. Y'a personne. C'est bon, on peut y aller. Du coup, en fait, c'est mon dernier jour. Et moi, je pensais que c'était demain, dernier jour. Donc, ça veut dire que je dois décaler ou m'arranger avec la MIF pour. La famille, pardon. Pour rester une nuit de plus. Je pense que ça va se passer comme ça plutôt. Mais en gros, là, voilà. Je viens juste d'arriver à ma guest house. C'est bon, c'est pas du luxe, mais c'est déjà, enfin, c'est déjà mieux que rien. Et en plus, c'est super bien situé. C'est juste à côté de Gangnam. Mais vraiment, quand je suis à côté, c'est en fait, c'est à Gangnam Gu. Et c'est vraiment collé, mais enfin, c'est un petit guest house, c'est genre un truc familial. Enfin bref, c'est pas comme j'ai dit. C'est pas un hôtel, hein, c'est pas un truc de ouf, c'est pas propre de ouf, ça va. Pour dormir c'est cool. Mais voilà, enfin bref. Du coup, nouvelle journée. Je sais pas si je vous ai pris tout à l'heure. Pour vous dire ça, mais en gros voilà. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être me poser dans un café parce que j'ai pas envie de rester ici à vrai dire. En réalité. Après je savais que c'était pas un truc de ouf. Mais voilà, en fait j'ai pas envie de trop rester ici. Moi j'ai pris une chambre individuelle. Il me semble qu'il y a des chambres où vous êtes à plusieurs. Sauf que j'ai pas envie de faire ma princesse, mais j'ai pas envie de dormir avec des gens que je connais laisser mes affaires dans un endroit que je connais pas. Surtout dans un pays que je ne connais pas. Parce que ça fait que 3 semaines que je suis ici, je le rappelle. Du coup j'ai pris ouais, une chambre toute seule avec une salle de bain séparée et des toilettes séparées. Donc je pense que je mangerai, je me regarde en même temps, ma gueule. Donc je pense que je mangerai dehors. Ouais, je mangerai pas ici, ça c'est sûr, parce que pourtant il y a plein de trucs à disposition, mais voilà, enfin bref, j'ai pas trop envie de rester ici. C'est vraiment juste pour dormir et faire mon kiff ailleurs. Et donc voilà, donc là. Ouais, d'ailleurs, j'ai pris un taxi là, de ma famille d'accueil jusqu'ici. Franchement, j'ai pas payé cher. J'ai payé 12. J'ai payé 10 euros. 10 euros pour 30 minutes. Imaginez, à Paris, un Airbnb. Airbnb. Un Uber pendant 30 minutes. Vous payez pas 10 euros. Hein. Je suis désolée, pour le trajet que j'ai fait, vous payez au moins 35 euros. Donc là j'étais grave surprise que les taxis ce soit pas cher comme ça. Après on verra comment on appelle ça. Pour l'aéroport, je pense que je vais prendre un taxi parce que comment vous dire que je suis chargée comme jaja, comme jamais. C'est ouf comment je suis chargée. Je sais pas quoi faire. Là déjà les gens ils m'ont aidé et tout parce que je vais vous montrer, non, mais regardez-moi ça. Ce sac là il était pas prévu. Le sac à côté il était pas prévu. J'ai tous mes trucs, mes affaires comme ça là. Je sais pas si vous voyez. Enfin bref. Je sais pas si je vous montrerai la pièce parce qu'elle est vraiment petite. Hein. C'est genre y'a rien. Y'a un lit, y'a une armoire. Je sais pas comment je vais faire pour sortir mes affaires. Et je vous jure, je rigole, mais.
Mais c'est bien, tu sais, c'est le genre de voyage, ça te fait grandir, tu vois. Tu sais, t'avais l'habitude de ton confort, d'être posé chez toi, chez ta maman, chez. Bah là, peut-être tu fais avec l'argent que t'as, tu fais avec les moyens que t'as et tu te débrouilles, quoi. Ouais, donc bah, je vous emmène quand même, hein, je vous montre aussi. Les points négatifs. Je vous jure, je rigole, mais je suis contente d'être là, mais. Mais la vérité, voilà. J'ai pas trop l'habitude de ce genre d'endroit. Mais c'est pas grave. On va aller quand même. On va aller dans mon petit café préféré là. Je vais sûrement faire du montage. On va sortir manger. Enfin bref. On va kiffer quand même. La dernière semaine qui me reste. Parce que ouais, c'est ma dernière semaine. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et puis à tout à l'heure. I'm not gonna be able to get you out of my head.